Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que je ne fais pas souvent, puisque je vais vous montrer les cadeaux d'anniversaire que Mia a reçus hier. Nous avons fêté son anniversaire avec la famille et les amis, et du coup je voulais vous montrer un petit peu les cadeaux qu'elle avait eu, puisque ça pourrait peut-être donner des idées pour offrir pour un anniversaire, pour un baptême, pour tout ce que vous voulez. Je pense que ça peut être pas mal, et en plus elle a eu des choses vraiment très intéressantes au niveau éducatif, au niveau dessin, etc. J'avais marqué le coup en fait, hein, j'avais dit à pratiquement tout le monde de pas prendre de jouets, enfin du moins le... voilà, pas trop jouer quoi. Et ils m'ont bien écouté, puisqu'ils ont, ils ont offert à Mia des choses plutôt intéressantes qui vont l'aider pour l'avenir au niveau éducatif. Allez, fini le balata, je vais vous montrer un petit peu ce que Mia a reçu. Elle était très contente, on a passé une superbe journée. Tout le monde s'est régalé, alors juste elle s'est cognée une ou deux fois. Voilà, mais à part ça, elle a été très contente, le gâteau était très très bon. Je vous en parlerai dans mon vlog de toute façon. Mais en tout cas, elle a passé une très très bonne journée. On va commencer tout de suite avec ce qu'elle a déjà commencé à jouer, évidemment. Hein. Elle a eu un... Hop là, je viens de faire tomber un feutre. Elle a eu un coffret, on peut dire ça comme ça, Miraculous, comme ceci, avec des feuilles à dessin, des feutres. Et en fait, vous avez un espèce de... Eux, ils appellent ça un pixello. Donc, c'est un espèce de stylo. Vous devez mettre une pile à l'intérieur. Je suis en train de faire tout tomber. Mais en même temps, là, elle a déjà utilisé, donc forcément. Donc là, elle a plein de dessins Miraculous et tout ça à dessiner. Et elle a également 4, 5, 6 feutres de couleurs différentes. Et elle a ce grand stylo comme ceci que vous pouvez, voilà, allumer ou éteindre. Et en fait, c'est tout simplement... Il y a Luna qui est à côté de moi, elle me regarde, elle me dit « Qu'est-ce qu'elle dit, maman ?» Elle met son feutre ici, si j'arrive à le rentrer, voilà. Et en fait, elle peut dessiner avec le bruit et ça fait des pointillés. Vous voyez, le crayon, il fait ça. Et du coup, ça peut dessiner avec des pointillés. Alors, elle a déjà testé. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle a fait. Elle a trouvé ça génial. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément pensé à acheter un truc comme ça. Mais voilà, elle a déjà fait le dessin comme ceci. Vous voyez, ça fait plein de points, points de pointillés en fait. Et ça change du dessin classique. Donc, elle a déjà fait celui-ci. Elle en a fait un qui est très joli d'ailleurs. Bon, bien sûr, ça reste du Miraculous, ça. Mais elle a bien respecté les couleurs et tout. Je trouvais ça génial. Alors, je ne sais pas si elle l'a... Oui. Voilà. Donc, elle a fait Miraculous en rouge. Le chat noir en noir. La tour Eiffel. Franchement, elle a été plutôt pas mal sur ce coup-là. Mais elle a beaucoup aimé. Et vraiment, ce genre de choses. Quand je vais dans les magasins, c'est vrai que je ne fais pas forcément attention au coloriage un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, très très bonne idée cadeau. Et je suis trop contente. Voilà. Parce qu'au moins, comme ça, ça lui fait vraiment quelque chose ou qu'elle l'utilise. Parce que si elle aurait eu des jouets qu'elle avait déjà eu ou qu'elle a déjà, ça aurait été compliqué pour elle de jouer. Mais enfin, bref. Voilà. Ensuite, elle a eu également une tête à coiffer. Alors, elle en avait déjà, mais bon, il fallait lui renouveler. Donc, ça tombe bien. Donc, elle a eu une tête à coiffer comme ceci. Avec des faux pinceaux, un petit miroir, une brosse, des cheveux, des pinces. Eh bien oui, ma chérie. Et du coup, bien sûr, elle l'a déjà utilisé. Donc, j'ai remis tout à l'intérieur. Mais voilà, une tête à coiffer toute simple avec 20 accessoires. Et pareil, bah, elle l'a déjà utilisé. Et elle aime bien faire ce genre de choses. Elle m'a juste dit, maman, je voudrais bien du maquillage. Je lui ai dit, écoute, non, je préfère pas parce que la dernière fois, je lui ai acheté le maquillage, vous savez, pour enfant de chez Action. Elle m'en a mis partout, c'était une catastrophe. Du coup, j'ai dit non, je vais attendre qu'elle soit encore plus grande pour lui acheter du maquillage. Pas du maquillage comme nous, mais du maquillage fille en fait, petite fille quoi. Donc, j'ai préféré voilà, lui dire plus tard parce que sinon, je pense qu'elle m'en aurait mis partout. Ensuite, on continue. Elle a eu ceci également. Donc, ça, c'est à partir de 6 ans. Donc, je pense que... Alors, si vous entendez du bruit, c'est Luna qui a allumé son petit jeu. Oui, Luna, bon, elle a allumé avec son pied. Mais non, elle attrape pas encore les objets assez bien pour allumer. Mais voilà, elle s'appuie avec son genou. Donc, du coup, elle a eu un set de création LED. Et ça, pareil, c'est vraiment top. Donc, c'est une petite licorne comme ceci. Et il faut créer. Donc, le plaisir du coloriage et de l'enfilage avec effet lumineux stimule la motricité fine et la créativité. 6 couleurs vives,
pour une création personnalisée. Donc ça, c'est un truc vraiment à faire tranquillement, en concentration, etc. Puisqu'il faut vraiment un tournevis, le fil, etc. Il y a même de la peinture pour peindre. Voilà. Donc ça, j'ai dit à Mia que quand elle sera un petit peu plus grande, on le fera ensemble. Parce que là, c'est vraiment minutieux et tout. Mais franchement, c'est vraiment top. Comme ça, ça fait encore une fois une activité à faire. Donc voilà, il y a 9 pièces à l'intérieur. 6 formes découpées et contreplaquées, un cordon lumineux à LED, un set de peau à peinture, 6 couleurs et un pinceau. Donc c'est juste génial. Voilà, et ça s'allume, donc c'est top. Ensuite, elle a eu également un set de création pour faire des boules de bain. Donc voilà, ça aussi un DIY, franchement c'est juste top. Pareil, on les fera ensemble quand on aura un petit peu plus de temps avec Mia, parce que Mia, voilà, elle adore les boules de bain, vous le savez, hein. J'en achète assez souvent. Là, j'avais acheté un gros coffret chez Noz et elle en a encore, donc pour l'instant, je suis ok pour ça. Oui, mon amour. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc elle a du stock, donc je suis contente. Là, du coup, c'est un DIY kit pour faire des boules de bain en forme de cœur, il me semble. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que j'ai du français? Donc kit de bombe de bain et de savon à fabriquer soi-même. Ah, on peut même faire du savon, ça c'est top. Donc ça comprend un moule pour bombe de bain, bicarbonate de soude coloré, acide citrique, moule pour porte-savon, colorant pour savon, cube de savon transparent, cuillère à mélanger et instructions. Voilà. Donc ça pareil, ça va être une très très bonne activité à faire avec Mia. Donc ça va être juste top. Et j'avais déjà trouvé des petits kits comme ceci chez Action. On avait beaucoup aimé aussi, mais c'était moins, enfin c'était pas très pratique quoi. Parce qu'en fait on le mettait au frigo pour que ça puisse durcir. Et en fait même le lendemain, il y avait la moitié qui était pas dure quoi. Donc je sais pas, peut-être que j'avais raté un truc, j'en sais rien. Enfin bref. Ensuite elle a eu cette magnifique veilleuse comme ceci. Tu fais de la musique chérie? Elle a eu cette magnifique veilleuse licorne, encore une fois. Donc franchement, mon thème d'anniversaire, c'était licorne, mais j'avais pas forcément informé tout le monde. Et là, le fait qu'ils ont pris une licorne à chaque fois pour à peu près, pas tous les cadeaux, mais ils ont pensé à la licorne, et ben je suis trop contente. Donc ça se présente comme ceci, il est juste trop trop beau. Donc voilà, donc ça va être une veilleuse. Je sais pas, il n'y a pas de pile dedans, mais voilà, ça ce sera pour le prochain appartement. Je lui mettrai dans sa chambre. Mais elle est trop trop belle, voilà, elle est juste trop belle, je sais pas si on peut l'ouvrir ça, non. Voilà, elle est juste magnifique, donc ça fera une petite déco pour sa future chambre, ou la future chambre des filles, puisque on se tâte à prendre un appartement 3 chambres ou alors 2 chambres et on met les filles ensemble, on sait pas encore. Mais en tout cas, voilà, trop contente de cette petite décoration, trop trop mignonne. Ensuite, toujours en décoration, elle a eu des petits stickers aussi, comme ceci. Avec des petits lamas et des cactus. Donc ça pareil, ce sera pour le prochain appart. Je crois qu'ils sont phosphorescents en plus, je crois. Adhésif décoratif spécial vitre. Ah non, c'est pour les vitres. Repositionnable à la pose. Donc ça c'est cool. Il y a une planche. Non, je croyais que c'était... phosphorescent, mais non. Donc voilà, on les mettra sur sa petite fenêtre. Mais j'ai trouvé ça plutôt mignon. Il y avait plusieurs thèmes. Donc il y a le thème avec la petite fée comme ceci. Là, la danseuse. Les licornes. Donc c'est dommage, elle n'a pas pris les licornes. Mais bon, j'ai envie de vous dire, les lamas, ça change un petit peu. Donc voilà pour ça. Elle a eu également un petit bracelet. Trop mignon. Voilà, un petit bracelet love comme ceci. Avec, c'est un élastique. Ouais, un élastique. Voilà. Pour ça. Ensuite, parce qu'il y en a une bien notre poche, bien évidemment. Hein. On était quand même nombreux, donc ça, c'était plutôt cool. Je suis super contente parce qu'il y a quand même deux personnes qui ont pensé à Luna. Donc, Luna a eu... d'ailleurs, je vais vous montrer avec quoi elle joue depuis tout à l'heure. Elle a eu une télécommande, enfin, une manette comme ceci avec de la musique et tout. Elle est juste trop fan. Voilà, donc elle a eu ça. Et elle a eu également un doudou qui, avec le, vous savez, où on tire pour qui fait de la musique. Donc franchement, super cool. Ils ont pensé à elle et tout. Donc c'est trop trop bien. Ensuite, pour Mia, elle a eu un kit également de perles comme ceci. Alors malheureusement, je n'ai pas de fer à repasser. Donc peut-être que quand elle fera cette activité-là, il faut que je voie avec mes beaux-parents s'ils ont un fer à repasser. Parce qu'elle s'en va chez mes beaux-parents pour les vacances scolaires. Donc pourquoi pas le prendre avec elle, et le faire avec mamie. Mais il faut que je demande à mamie si elle a fer à repasser, mais je ne suis pas sûre. Donc en fait, vous savez, c'est les perles comme ça que vous mettez dans les moules et vous passez le fer à repasser et ça colle et ça fait du coup des modèles comme ceci.
Vous voyez juste ici, vous avez le moule, vous mettez les perles, vous faites le fer à repasser et là, je sais pas, vous mettez un poids pour faire tenir la feuille. Et du coup, bah, après, ça fait cette forme-là. Voilà, on va voir avec mamie si elle a fait un repassé. Sinon, bah, je le ferai chez l'autre mamie du coup, mais il faudra que je l'emmène avec moi pour le faire. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, j'en ai vu sur AliExpress des trucs comme ça, sauf que vous avez juste à mettre du spray avec de l'eau dessus. Et ça sèche directement. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce sera peut-être plus pratique. Désolée, ça me gratte à l'épaule. Donc sur AliExpress, je pense que je vais lui en prendre quelques-uns avec le spray d'eau. Voilà. Donc ça, ça peut être pas mal. Ensuite, si vous avez vu mon haul Primark, vous savez que j'ai pris des ensembles pour Mia. Donc je vous les remonte pour ceux qui n'ont pas regardé le haul Primark. Donc je lui ai pris un pantalon Bambi comme ceci, blanc. Avec évidemment le pull, puisque c'était l'ensemble. Je vais essayer de l'attraper. Voilà, comme ceci. Il est juste trop trop beau. Trop canon. Ensuite, je lui ai pris un ensemble Stitch. Donc, on a celui-ci avec le pantalon. Donc, avec le pantalon. Voilà, désolé, mon chéri vient de rentrer à la maison. Donc, avec le pantalon. Hop, donc ça c'était pour les ensembles. Je lui avais pris également un bonnet en cato comme ceci. Donc elle l'a mis direct dès qu'elle l'a vu. Elle l'a mis direct sur sa tête, donc ça lui va super bien. Donc c'est trop bien. Donc avec les espèces de paillettes ici, voilà. Ensuite, elle a eu une couverture My Little Pony. Donc trop trop jolie. Donc le dessin c'est ça. Je vais essayer de vous le montrer, mais bon, elle fait 120 sur 140. Donc ça lui fera une couverture de plus. Toute douce comme ça, ou alors c'est maman qui la piquera, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est trop trop belle. J'ai regardé le modèle. Donc My Little Pony. Donc avec les licornes, hein, encore une fois. Donc trop cool. Hop. Et pour terminer, ah oui, elle a eu également des vernis Stabilo. Donc ça, pareil, j'ai. Voilà, je sais pas où ils ont trouvé ce genre de cadeau, mais c'est vraiment pas mal du tout. Donc en fait, c'est des vernis comme ceci, et c'est tout simplement des Stabilo. Que vous mettez sur vos ongles en fait. Voilà. Donc c'est bon, là on voit pas grand chose, mais et normalement ils sont censés sentir, c'est à dire celui-là il est censé sentir la pastèque, mais bon, on ne sent rien. Celle-là, la banane, donc pour l'instant il n'y a rien. Et celui-ci, la fraise. Mais je trouvais ça plutôt mignon. Voilà, ça fait Mia, elle croyait que c'était des vernis, des vrais vernis à la base. Elle était trop contente et tout. Et elle est venue me voir, elle me dit « Maman, je peux utiliser les vernis et tout ?» Parce qu'elle sait que je veux pas qu'elle utilise de vernis. Et en fait, je lui ai dit « Mais oui, tu peux, c'est des Stabilo. Donc en fait, tu peux dessiner avec, tu peux mettre sur les doigts, tu peux faire ce que tu veux. Mais voilà, ça coulera pas. Donc je suis trop contente. » Donc elle a eu ça. Et pour finir, elle a eu également une carte joyeux anniversaire. Donc « Happy Birthday » comme ceci. Avec un petit mot juste derrière. Ça fait de la musique. Alors vous allez me dire si vous allez reconnaître. Je ne vais rien dire. Je vous laisserai mettre un petit commentaire pour voir si vous avez reconnu la musique. Voilà. Donc elle a une carte d'anniversaire comme ceci avec des sous à l'intérieur pour son cadeau, voilà, tout simplement. Et il me semble que je vous ai tout montré. Désolée, Pompon vient squatter. Donc je vous ai tout montré, ces petits cadeaux. Franchement, elle a été super gâtée. Elle a été très contente de ses cadeaux. Pour vous dire, elle les a utilisés le soir même. Deux d'ailleurs. Mais les autres, je vais attendre un petit peu qu'elles soient un petit peu plus grandes pour les faire. Notamment la petite licorne que je vous ai dit. Les bombes de bain, pour l'instant, elle en a beaucoup à la maison. Donc on va éviter d'en faire. Les décorations, ça sera pour le prochain appartement. Donc ça c'est cool, ça fera déjà une petite décoration pour sa prochaine chambre. Et ensuite, bah, les ensembles, etc. Ça, elle pourra les utiliser directement. Donc voilà, je suis plutôt contente parce que ça s'est super bien passé. Moi, j'ai bien organisé sa petite après-midi. La décoration, les gâteaux et tout, il y avait vraiment de tout et il en restait. Donc je suis trop contente parce qu'à chaque fois, moi, j'ai peur que je suis trop juste. Et en fait, c'était parfait. Donc franchement, j'étais trop contente. Si vous avez regardé sur Instagram, je vous ai fait des petites stories pour vous montrer un petit peu la décoration que j'avais faite, les gâteaux et tout. Franchement, c'était une superbe journée. Voilà, et eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'en tout cas ça vous donnera des idées pour les prochains cadeaux que vous devez faire. Franchement, il y a plein de choses hein, qu'on peut offrir, mais au moins comme ça, ça vous les montre en vidéo et comme ça vous savez un petit peu ce qu'on peut offrir à une petite fille de 5 ans, puisque Mia a 5 ans. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye !